Est-ce que tu peux dire à monsieur, je brise la vie des gens, de plus jamais s'adresser à ma personne et de quitter mon espace vital de sécurité? Alors, Adam voudrait te dire qu'il regrette la façon dont se sont passés les derniers événements. Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit, ok? J'ai dit que tu pouvais crever la bouche ouverte dans un désert à Warzazad, je m'en tape le huc. On peut régler ça pacifiquement, là, en toute cordialité. On est des adultes, hein, quand même. Alors, en toute cordialité, tu peux demander au petit poney frisé de se calmer 3 secondes. Et tu vois, il recommence, là, il me traite, là. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire, il essayait juste de communiquer, en fait. Il voulait juste te dire que. Non, ça va, attends, ça va, j'ai pas dit à Jenna que tu lisais Twilight en secret dans ton lit. Tu m'as appelé petit poney frisé devant elle. Oui. Ça s'appelle pas briser une vie, ça? C'est pas non plus vachement, vachement grave. Tu veux que je dise à tout le monde, moi, que tu fais les chorés d'High School Musical le soir dans ta chambre? Ouais, toi que t'as pleuré devant Nemo. Ah, bravo! Oh, vous êtes relous, là, les deux, hein. De gamine. Mais pourquoi tu t'énerves? On s'énerve pas, là, on communique, hein. Non, mais laisse tomber, c'est une gamine. Ah, une gamine. Oh là, tous ces vieux trucs. Hey, regarde ça! Mes médailles d'or que j'ai gagnées au lancer de pruneaux! Ouais! Regarde! Et cette coupe. Regarde-moi cette coupe. Ça, j'avais gagné ça au festival de l'ail. Ah, ou de l'échalote. En tout cas, c'était en 78. Yeah! The winner! Génial, hein? Waouh! Oh non! Hey! Mes vieux talkie-walkie! Oh, et tu connais ça? Et ça, c'est génial. Tu vois, grâce à ces appareils, on peut communiquer à distance. Et c'est marrant, tu vas voir. Et voilà, ça se branche comme ça. Et je vais me mettre dans une autre pièce, et puis on peut parler. C'est génial! Regarde. Tour de contrôle, ici Tango Charlie, est-ce que vous me recevez, Roger? Allô, Tango Charlie? Ouais, ici Roger. Bah ça aussi, c'est un appareil incroyable avec lequel on peut communiquer d'une pièce à l'autre. Ça s'appelle un téléphone portable.